Copernicus, l'observatoire du climat de l'Union européenne, indique que ce lundi 22 juillet a été la journée la plus chaude jamais enregistrée au niveau mondial. Les climatologues vont même plus loin en affirmant qu'il est probable que ce soit le jour le plus chaud depuis 120 000 ans en raison du changement climatique causé par l'homme. Selon Copernicus, les 10 températures maximales annuelles moyennes quotidiennes les plus élevées jamais enregistrées ont toutes été constatées au cours des 10 dernières années. And you know, like especially if you look at the average over the year, this is probably the last 12 months have been the warmest 12 months in the last 100,000 years or thereabouts. L'augmentation de la température au cours des dernières décennies correspond à ce que les climatologues prévoyaient si l'homme continuait à brûler des combustibles fossiles à un rythme croissant. Les scientifiques ont en outre déclaré qu'il était extraordinaire que de telles journées chaudes se soient produites pendant 2 années consécutives. Et pour Copernicus, nous n'avons encore rien vu. It's useful to understand how much and how fast the climate is changing. But ultimately, what is biting us back is not the global mean temperature, because nobody lives in the global mean. It's really what's happening in our backyard, what's happening into our rivers, our mountains, and so on. Selon Copernicus, la Terre a connu 13 mois consécutifs de température globale record.